Yo gros bonjour, bonsoir pour tout le monde qui était fidèle avec nous. Merci pour patience et fidélité sur Fiat TV 83. N'a travail pour continuer à porter nouvelles là pour vous. Jean lié. Maintenant de nous continuer faire geste là, abonner, continuer partager information yo avec l'autre ami comme ça n'a toujours capable rester notifié sur toute nouvelle n'a publié sous réseau. Nous avons direct dans l'actualité politique. La leader politique, homme d'affaires, Dr. Reginald Boulos, une figure emblématique dans l'opposition, jodi a fait une grosse déclaration sous situation politique économique pays. A décidé pour tes contributions en tant que citoyen sous drame qui pendait sous tête nation. Leader MVP a well différent, l'elle considérait nous t'ai raté occasion tremblement de terre 2010 là pour nous te réconcilier. Rete quoi ces moments opportun yon ak l'autre pour nation réconcilier tout bon vrai. Mettez chita ensemble à classe politique là tout bon vrai pour joindre une solution sous crise qui a crasé brisé et puis qui divise nation haïtienne. Li félicite tout gouvernement qui prend bon janmezi pour aider et puis protéger nation sorti dans gros fléau maladie mondiale ça qui a ravagé nous tout partout dans quatre coins monde là. Homme d'affaires Reginald Boulos t'a exprimé dans micro la presse toujours sur réseau Paola Sofia TV 83 nous c'est Géo ak Zoreyo sur tout ça qui a passé en Haïti ak le monde. Moi félicite yo. Et moi pense que il y a un factory ici qui doit faire ce travail, un factory qui a produit sanitizer à meilleur marché que ça n'a pas porté yo, que ça baille tout le monde travail, un factory qui a produit cachnik, un factory qui éventuellement qui a produit uniforme, qui a produit tout matériel médical nous gagne yo, pas réticence sur lui. Il faut s'assurer seulement que les mesures de prévention de la contamination à l'intérieur même des factories soit prise de plus en plus, il y a des mesures qui s'apprennent depuis à l'entrée de factoria, telles que nettoyer mains, nettoyer chaussures, et l'orivant dans Wassuo que de temps en temps on lave mains, et il faut distancer mon yo en termes de côté à travail. Si machine yo te une pour la clope, moi je suggère que on quitte une machine vide entre chaque deux mondes, ça veut dire créer une distanciation sociale là, ou bien doit même tout décider pour la température mon yo à l'entrée de la factoria. Qui sont mesures qui passent vraiment totalement fiables, on t'a dit que de partager nos monde qui gagne la fièvre, au moins de ne pas venir travailler, on paye le droit quand même, parce que ce n'est pas le fait qui gagne la fièvre tout ça, et on encourage le même à aller peut-être dans ce qui côté que ça fait question pour être capable de faire sûr que ce n'est pas un malade qui en passe. Donc j'applaudis à tout ce que le secteur privé formel et le secteur privé informel et puisse apporter. Moi-même, en contact avec l'association et dealer automobile, je ne parle pas d'aucun détail matin, même capable d'où une action qui a préparé pour que une contribution importante, substantielle, qui fait tout. Nous souhaitons toute association patronale faites même genre, que ce soit l'APB, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit la DI et la TH, plein de TH pendant tout hôtel pratiquement à fermer. Mais le moment est à la solidarité. Le moment est au calme. Le moment est à l'entraide et à l'union. Donc, moment pas un moment de yin-yang, ni yin-yang économique, ni yin-yang social, ni yin-yang politique. C'est un moment pour nous tous, nous oublier que réel passé nous et nous dire, on fait un geste, je dis, nous te rater tremblement de terre, on fait un geste qui montre que Haïti uni, pas oublier tout, que c'est pas aujourd'hui, à moi-même, depuis l'entrée dans la chambre de commerce, m'a demandé respect l'aide du jeu, la transparence. Le coronavirus, pas nous, un exemple, un échantillon, une opportunité pour nous jouer de la transparence totale. Moi, remercier le Premier ministre de ce qu'il t'a parlé de conversation noire. Et moi-même, je suis toujours ouvert, quel que soit mon nom, pour me parler avec vous. C'est pas moi seulement. Il y a un pilote qui vient l'autre idée. Il y a une idée même contraire à moi. Du choc des idées, je dis, j'arrive à la lumière. On nous met nous tout ensemble. Voilà, où sont des déclarations homme d'affaires. Reginald Boulos, une figure emblématique qui gagnait dans l'opposition, qui mandait tout secteur politique là, camper et puis mettre main ensemble pour capable passer cap maladie, ça qui est vraiment difficile sous le monde là. Et d'après ça, il dit qui capable vraiment fatal pour
Haïti. N'a toujours été dans même optique là, gagné maître André Michel bon côté parle voyez jeter toute l'idée pour ta endosser gouvernement. D'après ça le dit, il a veillé tout partout sous l'argent cap débloqué pour empêcher messieurs yo gagoter cob qui destiné pour faire face à la maladie coronavirus là. Et André Michel rappelé cob c'est IRH là à colotte l'argent tant coup l'argent Petro-Caribé qui était passé dans mes gouvernement PHTK et qui pas réglé rien avec. Entendez comment M. André Michel t'a fait déclaration ça dans micro la presse réseau Paola réseau information Sofia TV 83 n'a toujours été ten face pour aller chercher et puis porter pour toute nouvelle cap dominer monde là. Pas oublier même l'état ça 10 ans de ça t'a gagné 10 milliards de dollars qui vini pour CRH après le mandat pour reconstruire l'état crasé dit dans l'état volé. Pas oublier même les qui sous pouvoir ils volent 4 milliards 200 millions de dollars américains. Pas oublier ce peuple là connaît les gens qui sont capables de faire. Parce que qui s'est passé aujourd'hui? Si on parle de l'urgence, c'est l'État, c'est le gouvernement. On n'est pas capable de dire que les gens sont dans la facture. On parle de la facture. On n'est pas capable de dire que les gens ne sont pas envoyés, aucun support, ça n'a pas existé par aucun côté dans le monde. Mais il faut faire très attention. L'État doit assumer ses responsabilités face à la population. L'opposition doit participer dans la campagne de sensibilisation et exercer un minimum de solidarité dans la mesure de son possible. Mais crise là, c'est l'État qui vous gère, c'est l'État qui vient moyen à même, c'est le gouvernement qui vient casser l'État à même. Et surtout, il faut qu'il gère dans la transparence, pour que tout le monde soit fait, pour qu'il puisse profiter de période là pour faire l'argent, parce que l'État de droit est permanent. Son aigle font des ordres là, après à poursuivre devant la justice politique. Merci un peu, madame Michel. Merci un peu, et moi, merci aussi, tu as de poser question. Oui, parce que question ça, vous venez un peu, oui. Non, oui. Vous venez un peu, vous avez dit que vous avez résistance, vous avez arrêté la caillou. Moi, je crois que il y a deux bagages. La solidarité doit être totale. Et je suis capable de prendre l'exemple de Madagascar, je regarde hier soir comment vous avez une solidarité totale. Tout le monde va essayer de gagner. L'opposition a son rôle à jouer. Premièrement, l'opposition lui doit participer dans fait et consigne dans faire respecter consigne faut participer dans sensibilisation population, c'est très important parce que la sensibilisation c'est la prévention et c'est prévention qui est important dans un pays tant qu'à Haïti qu'on pas gain l'hôpital médecin yo pas gain suffisamment de matériel pour travailler parce que même si on gain médecin c'est même qu'il y a pas de matériel en 2020 pas gain la médecine qui a fait avec mais pour gain matériel pour travailler. Mais le médecin n'a pas qu'à manger un malade, il n'a pas bon masque. Il n'a pas qu'à manger un malade, il n'a pas bon gant. Ça veut dire, il faut que ça veut dire, nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Deuxièmement, nous avons gardé qui qualité solidarité nous capables de faire dans la mesure du possible. Il faut que chaque monde fasse, chaque groupe organisé fasse, chaque citoyen fasse une contribution. Mais attention, c'est le gouvernement, c'est l'État qui a une responsabilité pour gérer ce monde-là, parce que dans tout pays, c'est l'État, c'est le gouvernement qui prend ce champ coronavirus là en main, parce que ça va être ça à moi de comme moi, c'est seulement l'État qui est capable de faire, qui est capable de gérer. Mais ma dit encore, nous voulons responsables, parce que nous pas. Secteur privé, vous participez, tout maintenant, Michel. Mais bien sûr, vous participez. La solidarité doit être totale, sur le secteur privé, vous organisez. Et surtout, nous comme l'État, pas nous, pas capé soin. Et malheureusement, non seulement l'État va camper sur moyen, et si ça gagne, les gens sont pour prendre, pour faire ou cocher avec lui, ça fait pour nous veiller, c'est même quoi qui paye. Parce que même si il y a l'état de droit, même si il y a l'état d'urgence, l'état de droit est permanent, il faut toujours qu'il y ait un débat démocratique. Par exemple, en France, vous n'avez pas adopté la période d'urgence, non? Vous faites 11 semaines à débattre dans le Parlement, dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Ça veut dire même si il y a urgence, il faut qu'il y ait transparence. Même si il y a une urgence, il faut que les règles soient respectées. J'appelle le gouvernement de facto, que nous ne reconnaissons pas, nous sommes de l'opposition, à assumer ses responsabilités. J'appelle les services compétents du ministère de l'économie et des finances à assumer leurs responsabilités parce que nous participons, mais nous utilisons les périodes d'urgence, utiliser le coronavirus pour craser les télescopes qui viennent dans le pays. On ne peut pas accepter ça, mais nous autres de l'opposition, nous allons continuer à sensibiliser la population, nous continuer à faire solidarité, j'en ai capable parce que moi, nous sommes très petits, moi, nous sommes maigres, mais attention, il faut que nous vigilants, le groupe de droits humains, la société civile, les journalistes,
En même temps, nous avons un comportement responsable pour ne pas contrarier tout ce qu'a fait pour gérer le coronavirus. Là. Bonjour, madame, attendez Michel, pour nous, comme l'a dit, pour mon yo, pour manger bout de zon yo, les oppositions de l'autre pays, hein, qui s'en ont bail, mon yo pour te manger la caillou. Ah, c'est une belle question. Ma première, si on dit ça, pour question ça, parce qu'il y a un peu le monde qui. Capozel. Pas de gens qui est temps. Mais on dit poser le point de question. On m'a tout répondu dans la question. La vérité, c'est que le pays a de l'autre, ce n'est pas deux trois mondes qui de l'autre pays. Ce n'est pas André Michel qui de l'autre pays. Parce que le pays a de l'autre, c'est une mobilisation, c'est une barricade. Tout pays n'a pas aucun leader politique qui est capable de faire ça. C'est ce peuple-là qui de l'autre pays. Là, ce peuple-là, l'autre pays, le peuple a arrangé pour des ravitailler, le peuple a arrangé pour des zones manger, le peuple a été l'autre pays, parce que le peuple a été Jovenel Moïse qui des pouvoirs. Et je dis encore le peuple a été Jovenel Moïse qui des pouvoirs, le peuple a été l'autre pays, c'est des batailles. Le peuple a là, le peuple n'a pas jamais demandé opposition pour le réponse. C'est que nous constatons le gouvernement, je dis, à la période qu'on a vu là, mais il y a plus à chercher de faire l'argent, parce que le contrat 18 millions, ça, c'est comme qu'à chercher de faire. Pas oublier, l'agent CIR, ça qui était plus passé 10 milliards de dollars, mais il était écrasé. Pas oublier 4 milliards. 200 millions qui sont arrivés, les gens qui ont crasé, l'hôpital qui s'est payé, ça c'est aujourd'hui, on a vu, vous avez vu, tout le monde qui est cassé parce que pas mon hôpital pour aller. Aujourd'hui, nous devons sonner la sonnette d'alarme, nous devons dire au gouvernement, attention, nous ne pas dormir, nous ne pas quitter, utiliser la période qu'on a vu là pour faire l'argent des impôts. D'autant plus que le gouvernement a un très mauvais rapport avec l'argent. Parce que Jovenel Moïse, nous avons cité 69 fois dans l'argent qui est arrivé, la Cour des comptes. Ça veut dire, c'est un monde qui est toujours en corruption. Et monsieur, je ne le connais pas, c'est un certain Joseph, mais m'a dit attention, opposition n'a pas dormi, secteur démocratique n'a pas dormi, alternative n'a pas dormi, même si nous avons un comportement responsable, nous pas quitter, utiliser détresse population, misère population, et chagrin population, en période qu'on a vécu.